est sur le plateau du 107. Bill, comment va la forme? Oh bah, écoute, je vais te dire, mieux serait insupportable voire indécent. Singulier, un big deal, et on commence tout de suite avec Monique. 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 Bonsoir Monique. Bonsoir Vincent. Ça va bien? Bien. En forme? Bonsoir Bill. Bill, Monique, bonsoir, Monique, Bill. Monique. Bill, bonsoir. Monique, le public. Monique. Quel est votre secret pour garder cette bonne humeur? Ah, j'ai un métier charmant. Faites quoi? Je vends des bonbons. Ah, vous êtes bonbonnière? Oui, voilà. Et vous fabriquez les bonbons? Non. Non, vous les achetez. On ne peut pas fabriquer et vendre. Ouais, non, c'est pas possible. Faut choisir. Boire ou conduire. Moi, j'ai vendu la voiture. Non. Ça vous laisse une vie de famille, ça? Très bien. J'ai deux beaux enfants et j'ai surtout deux petites nanas. Bill, tu veux bien leur dire bonjour? Mais avec plaisir, Monique, ce serait un honneur pour moi. C'est Margot et Jennifer. Alors, attention. Margot et Jennifer, vous êtes mes copines terriennes et je vous fais un énorme bisou. Oh. Est-ce que vous connaissez la fabrication des bonbons que l'on trouve, non pas sur les marchés, mais plus souvent sur les foires? Un petit peu. Les pommes avec du truc rouge, ouais, les barbes à papa, tout ça. Vous avez fait de la barbe à papa déjà? Non. Non, mais on... Oui. Eh ben, on va en faire de la barbe à papa. Et moi, je propose qu'on en fasse pendant 45 minutes. Ouais. On peut les goûter. Ouais. Allez, voici la barbe à papa du Big Deal. Venez, Monique, faites le tour. Laissez-moi vous vêtir. Voilà. Alors, on va faire tourner le bazar. Donc, elle est chaude. On met un peu de sucre. On met un peu de colorant. Ouais, génial. On prend un bâton. Il faut les faire pas trop grosses. Non, pas trop grosses. Enfin, il faut quand même que ça soit une barbe à papa raisonnable. Et puis, Bill va vous offrir pour chaque barbe à papa réalisée... Combien, Bill? Eh bien, que direz-vous de 200 francs. Hein? Oh. On va voir combien de temps on mettait à faire. Non, hein, non, non, mais parce qu'elle n'est pas encore bien chaude. Mais une fois que c'est lancé, peut-être j'ai pas mis assez. Ça, regarde, c'est bien. Non, ça va pas le faire, ça. Ça va pas le faire, ça. Peut-être fallait-il en mettre un peu plus. Oui, c'est cela. C'est cela. Si, ça va le faire. Attendez, on va en mettre encore un peu. J'en ai trop mis la tête, hein. Faut rajouter un peu de colorant. Oh, ça fait peur. Bon, j'ai vautré le bazar, là. Bon, Farid, tu t'occupes de Monique. Monique, je vous laisse entre les mains de Farid. À tout à l'heure, Monique. À tout à l'heure. Oh, j'ai pété le matos. Bill, un petit mot sur le Minitel pendant qu'on répare la machine à barbe à papa. Avec plaisir, mon ami Vincent. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est numéro du jour. Numéro du jour. C'est numéro du jour, notation. Notation sur papyrage. Sur papyrage et stylotage. Alors ça, c'est magnifique. Oh, oui. Vas-y, bois doucement. Vas-y, oui, tu es fort, tu es beau. Tu es Simon Templar. Et dès qu'on l'a noté, 08 36 66 90 03 ou 36 15 code TF1. Hein. Et peut-être vous le recevrez l'un des trois chèques de 1000 francs que moi, Bill, j'envoie tous les jours aux gens qui veulent bien les recevoir. Vincent Lagaffe. Jean-Marie, auriez-vous la bonté de venir nous retrouver sur le plateau du Big Deal? Jean-Marie! Ça va bien? Très bien. Jean-Marie, bonsoir, Bill. Jean-Marie. Bonsoir le public. Bonsoir Jean-Marie. Et bonsoir tous ceux qui me reconnaîtront. Oh ben ça, on va vous reconnaître, vous avez une figure qui marque. Hein. Merci. Vous avez un petit accent qui vous trahit? Ben oui, le sud de la France. Oui, mais encore? Exactement, je suis carcassonné, mais j'habite à Toulouse. Voilà. D'accord, carcassonné, devenu toulousain. Voilà, tout à fait. Et vous y faites quoi à Toulouse? Ben, je travaille dans un hôtel, je suis réceptionniste. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et il y a une passion dans la vie? Les voyages. Cette partie déjà... Oui, non, mais j'ai la bougeotte, là, vous voyez, c'est pour ça que je... Non, ça ne me gêne pas du tout, hein. Vous savez, je m'adapte très vite, moi. Très bien. Si vous mettez si d'un coup vous faites le kangourou, je vous suis, hein. Oui, si vous voulez, mais je suis pas encore allé en Australie, là. Vous avez envie de nous chanter quelque chose? Oui, d'accord, mais j'ai quand même pas une bonne voix pour chanter. Est-ce que vous voulez nous danser quelque chose à la place? Il me faut une cavalière, là. Y a-t-il une roqueuse? Mademoiselle, venez. Oui, venez, mademoiselle. Charmante comme tout, là. Dites mes mères, là. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Monica. Je vous présente... Jean-Marie. Voilà. Jean-Marie. Donc, OK, si vous faites un rock acrobatique, non, pas trop. Non, hein. Non, je préfère pas. Et puis, s'il veut faire du rock acrobatique, débrouillez-vous pour que ce soit vous qui soyez soulevé et pas le contraire.
Bien, je vous propose d'accueillir celui qui va vous faire gagner peut-être une voiture, mesdames et messieurs, voici Aspect. Vous connaissez le principe du scratching? Tout à fait. Il y a une odeur de barbe à papa sur le plateau, là. Ah ouais, c'est ah, ils sont tous là. On distribuera toutes les barbes à papa après. J'en ai partout. Ouais. Salut, bad boy. Comment tu vas, bad boy? T'es super belle avec Flyos, Koulos. Ça va, t'es hoche, t'es hoche? Je t'ai pas oublié, Bilout. Le hard time du futur, la Kaira, la Kaira du futur. Petite démo. Ouais, c'est moi. Yes. Ah, je me sens super chaud, là, pour une petite démo. Je me sens super vénère pour une démo. Est-ce qu'ils sont Flyos, Flyos? À partir de maintenant, ça vaut du pognon. 15 secondes, écoutez bien le gong. Après cela, ce sera trop tard et je veux évidemment le titre. Hein, pas le chanteur, pas le... ni sa mère, ni rien. Hein, ni quel pays qui vient, qui s'en fout complètement de sa vie. Je veux le titre. D'accord. Well. J'ai pas entendu les Crouchenettes ce soir, ça va les Crouchenettes? Tu sais quoi, plutôt que de faire gueuler tout le monde 10-12 fois, on va les faire gueuler une fois bien fort. Ouais. Allez, vas-y, est-ce qu'ils sont bien hauches? C'est bon. c'est les Bananarama. Poel Summer. Poel Summer, les Bananarama. Excellente réponse. Excellente réponse, monsieur est un octambule. Allez. C'est ma place, là. La boîte à clé ! Excellent début ! Et ça part très fort, mais malheureusement, je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans, car c'est un mystère et boule de bulle. Ah. Et va en faire un autre ? Oui, un autre. Très bien. Allez. Bon, Bélec, on encourage le candidat, là, et ouais. Malheur vénère ! François, je vais à Rio. Je vais à Rio, le bien François. Il est très fort, il est très fort. Je vais à Rio, de Janeiro, je prends ta main. Allez, Lina. Sans argent, ceux qui n'ont que la main. Dans le cœur. Et Claude François vous fait partir. À Malte, tout à fait Vincent, très bien. Regardez les images. Oui, oui, les chevaliers de l'ordre de Malte, des bateaux, la mer, une église, quelque chose d'extraordinaire. Vous partez un week-end de 4 jours et on est comme ça au deal, 2 personnes, 6 716 francs. Très bien, très bien. Yes. Oh, on est en bonne vibe, je sens que ça va être un sans faute aujourd'hui, là sûr. Khaled, Khaled, Didi. Allez, Didi. 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 Bah, mais Didi. Oui, mais oui, mais oui, mais c'est un sans faute. Alors est-ce que ça va être le grand chelem? Allez, je vais choisir Rosa. Une chance sur deux pour faire le grand chelem. Voilà, Rosa. Rosa. Comment je t'as, Rosa? Ok. Ah. Oh, dommage. Oh. Mais non, pas dommage, c'est très très bien de gagner le plateau de Bill. Parce qu'avec ce plateau, on peut boire l'apéro. Et ça vaut 127 francs. Ce qui fait, Jean-Marie, que vous êtes maintenant à la tête d'une fortune personnelle de 6843 francs. Non, pas chiche, pas chiche. Non, tu n'y arriveras pas. Oh, extraordinaire. Oh. 6 000, non, pour plus.
Mais non, non, je confirme, c'est 1843 francs. Sans la boîte à clé. Oh, c'est un bal. Ou le rideau. Eh oui. Il faut se décider, Jean-Marie. Vous regardez ? Vous avez confiance en la boîte à clé ? Oui. Je la sens pas du tout, la boîte à clé, moi. Je garde. On garde ? Attends, 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 on va d'abord regarder. Mais tu l'emmènes nous ? Vous êtes prêts? Ben oui, j'espère. Il a encore temps de changer, hein? Ah non, non, je change pas. Le rideau! Non, non. On le prend pas? Non. Rideau! Prenez les boules, vous l'avez perdu! Le lecteur de mini-disques avec des petits disques, d'une valeur de 2183 francs. On revient de loin, hein? Ah, on a eu peur, vous avez eu peur. Ah oui, j'ai eu peur. Jean-Marie? C'est à moi à ouvrir. C'est à vous à ouvrir. Un quart de tour, un quart de tour, voilà, c'est bon. Une clé! Eh oui. Et Jean-Marie, je suis heureux de vous annoncer que maintenant les insomnies sont terminées grâce à la clé des songes. Vous venez de gagner un lot de livres, wow, des contes pour enfants. C'est pas Mimi, ça! C'est pas Mimi! 270 francs. Vous êtes maintenant à 7113 francs. C'est très bien. Ça s'est bien passé? Oui, très bien, très bien. Décontracté? Oui, ça va mieux tout à l'heure, hein? Ah oui, très bien. Ok. Très bien. Allez, on se retrouve tout d'accord, à l'heure. D'accord, au revoir. Salut Asmé! Salut Vince! Bonne vibes, bonne vibes! C'est ça! On va aller faire un petit point du côté du fil rouge. Fais le malin, toi. Puis c'est discret, votre truc, là. Ouais, joli! Wouh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 fois 6, 18 et 1, 19. 3 800 francs! Tu feras attention, Vincent, t'as une barbe à papa sur la bouche. Fais attention, mon ami Vincent. Daniel, Pierre et Jean-Louis! Bonsoir Vincent. Qui est Jean-Louis? Bonsoir, bonsoir Vincent. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Daniel. Bonsoir Vincent. Bonsoir, et donc Bill. Vous êtes. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Bonsoir Bill. Mettez-vous là tous les trois, je vous en prie, les inséparables. Parce que le jeu s'appelle les inséparables. Ah bon, alors. Lequel est l'époux, lequel est l'amant? Alors bon. D'accord, on va pas foutre la zone. L'ami Pierre, c'est mon époux. C'est votre époux? Oui. Jean-Louis, bel ami. A tous les avantages. Hein. Faites quoi Pierre dans la vie? Je suis responsable d'un camping. Et vous, vous accompagnez votre époux. Exactement. Dans cette dure tâche que vous avez choisie. Oui, oui. Et vous avez toujours fait ça? Non. Vous faisiez quoi avant? Charcutier. C'est-à-dire qu'avant, les boudins, ils les fabriquaient, maintenant, ils les regardent bronzer. Ça, c'est pas pour eux, hein. Et vous, faites quoi, vous, dans la vie? Retraité. Tous les avantages. Retraité de quelle profession? Métallurgie. Vous êtes de quel coin de la France, vous? De la Côte d'Or, Nord Côte d'Or. Nord Côte d'Or, oui. Mais né en Saône-et-Loire, c'est-à-dire ventre jaune. À ventre jaune. Et oui. Il est dans la métallurgie, il est ventre jaune. En Saône-et-Loire. Oui. Et puis, c'est tout. Vous connaissez la légende des trois petits singes, je ne vois pas, j'entends pas, je ne dis rien. Il va falloir, oui, qu'avec ce moyen de communication, vous arriviez à vous faire passer le message l'un à l'autre. L'un d'entre vous ne va pas s'entendre, c'est vous. On va vous mettre un casque sur la tête. L'un ne va pas voir, on va lui mettre un bandeau. Et l'autre, le dernier, ne va pas parler, il va mimer. Regardez le décor que nous vous avons préparé. Venez par là. Hey, t'as vu celui-là? Non. On l'a pas fait souvent celui-là, il est très sympa. Alors, venez, Pierre, vous qui êtes sourd comme une taupe. Ah ben si, pas encore, mais vous allez ça, vous allez voir. Vous allez vous mettre ici, voilà, face au public, et quand je vous dirai de mettre le casque sur vos oreilles, vous le mettrez sur vos oreilles. Qui est doué en mime?
C'est toujours, c'est dès qu'il y a une femme. C'est vous qui allez mimer, d'accord? D'accord. Et vous, vous êtes aveugle. OK? Alors, dans un premier temps, Jean-Louis, les yeux bandés, va aller chercher, ou tout du moins va essayer de reconnaître un objet que je vais, que je vais lui présenter. D'accord? Lorsqu'il aura reconnu cet objet, vous aurez combien de temps, Bill? 10 secondes. Vous aurez 10 secondes pour dire simplement à l'oreille ce que vous pensez avoir reconnu. Et vous le dites à Daniel. Daniel, on referme la porte, on ouvre la suivante. Daniel, vous avez 10 secondes pour mimer à Pierre ce que vous pensez qu'il vous a dit. Et vous, vous aurez 10 secondes pour aller dans le deuxième placard chercher l'objet dont on vous a parlé. D'accord. C'est clair. C'est simple. Okay. C'est simple. Voilà. Quel brio, quel panache. Allez, je vais vous mettre le bande. Et vous jouez au billard? Non, pas encore. Voilà. OK. Bien, venez avec moi. Voilà. Venez, vas-y, attention, il y a une petite marche. Voilà, allez-y. Voilà. Voilà. Venez. Voilà. Alors, je vous propose de, regarde, de jouer avec cet objet-là. Regarde, prenez-le dans les mains. Voilà, prenez-le dans les mains. Que le public ne voit pas. Voilà. Top chrono. Voilà, prenez-le dans les mains. Vous avez 10 secondes pour reconnaître ce que c'est, sans dire ce que c'est. Hein. Vous ne dites rien. C'est bon, vous avez trouvé? OK, je le repose ici. Je vous propose de venir m'accompagner. Voilà. Attention à la petite marche. Bien, vous pouvez soulever votre bandeau, voilà, et vous allez dire à l'oreille à Daniel ce que vous pensez avoir découvert. 10 secondes. C'est bon, vous avez compris? On ferme. Oh, ça crissieux là. Vous n'entendez rien? OK. Votre femme est partie avec l'autre. Allez, mimez. Regardez bien. OK. Ouais. Hop, ouais. Terminé. Il faut aller chercher l'objet. Alors. Alors là, j'ai 10 secondes. C'est gagné. C'est gagné et c'est 150 francs. Non, c'est 15 000 francs. Ah bon? Moi, écoute, on va diviser en deux. 3000 francs, ça va? Allez, venez avec moi. Jean-Louis, allez-y. Voilà. Je vous propose... Avancez, 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 avancez. Je vous propose celui-là. OK. Hop, les 10 secondes sont écoulées. Venez. Voilà. Voilà. Attention, il y a la marche, là. Allez-y. Encore un petit peu, voilà. Là, voilà. Ah non, encore un petit peu, raté. Ah, on y est, là. Je vous charge, Jean-Louis. Attention, soulevez votre bandeau. 10 secondes, top, allez-y. C'est comme une raquette, mais c'est ce qu'on servait pour battre les matelas. C'est un... Oui, c'est un gros truc. Terminé. OK. Elle est revenue. Eh bien, 10 secondes. OK. Bon, je pense que c'est assez clair, tout le monde a trouvé. Oula. Venez, Pierre. À votre avis? Et je crois que c'est... Ouais, c'est ça. C'est gagné. Bien sûr que c'est gagné. Ça fait 6000 francs maintenant. Alors, soit vous continuez, soit vous arrêtez là. Si vous arrêtez là, vous prenez le rideau. Sinon, on joue pour 12 000 francs. Continue. Non, on continue. Oui, on continue. Non, non, on continue, continue. Ouais. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Les boules. Ah oui, hein. Eh oui, car vous avez perdu. C'est incroyable, mais vous avez perdu 3 combinés télévision magnétoscope avec 3 consoles de jeux, avec des jeux, et le tout représenté 16 669 francs. Merci. On a pas fini. Monsieur Lamarche, donnez-moi la main, donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Allez, venez, attention, 10 cm, voilà, on y est là. Hop là. Vous avez fait de la danse classique, vous, non? Oui, oui, dans ma jeunesse. Attendez, voilà, on va jouer avec ça.
Ok. Je le pose là. Prenez mon bras. Eh oui. J'ai épousé une vieille aveugle. Allez-y. Voilà. Allez, enlevez votre bandeau. Daniel, écoutez. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, hein, ça fait 10 secondes maintenant. Ça suffit. Le... Il en profite pour lui demander son numéro de téléphone. Et mon numéro de carte bleue. Je vous en prie. Décidé de me ruiner 9000 francs. Belle c'est pas Yayou, ça. Hein. Allez, le dernier. Enlevez votre. Enfin, même, descendez même. Descendez, voilà. Allez-y, descendez. Mettez votre bandeau. Allez, venez, vous connaissez le chemin, je vous accompagne pas. Voilà. Avancez encore un petit peu. Avancez-vous encore un petit peu. Voilà. Et nous allons jouer avec ceci. Ok. Non, c'est bon, je le tiens. Allez. Venez. Voilà, vous pouvez enlever le bandeau, hein, finalement. Vous pouvez l'enlever, maintenant. Voilà. Attention, Daniel. C'est clair, hein? Ouais. C'est facile à dire, mais alors à mimer, ça, c'est autre chose. Hein. Mérite d'être évident. Pas terrible. Vous pouvez enlever votre casque, hein. Vous pouvez enlever le. Ah, bah oui, n'entend pas. Voilà. Non, j'ai pas trop compris. C'est quoi ça? Ça, c'est un frisbee. Frisbee. Oh, on va prendre le frisbee? Oh, oui. Oui. Ouais, ça y est, il s'est trompé. Il était temps, je commençais à l'avoir un peu assez, moi. Hein. Hey. Oh. Eh, pourtant, vous a fait cracheur de feu. Mais apparemment, Daniel éteint le feu avec la tapette à tapis, elle. Hein. Bon, on en a 3 sur 4. 9000 francs. On garde. Non, On garde. On sera bien placé. Rideau. Bravo, bien joué. Eh bien, derrière le rideau, il y avait de quoi vous rendre vraiment inséparables. Des menottes. Des menottes. Trois paires de menottes à 165 francs en tout. Mais donc, bon, bah, bien joué. Hein, c'est, à tout à l'heure. Vous avez, bon, enfin, bon, bien merci joué. Jean-Louis, passez par l'escalier. On se retrouve. Merci de nous avoir donné autant de plaisir. Un petit coup d'œil au fil rouge. Oui, elle en bouffe autant qu'elle en fait, Monique. Monique, c'est petit ce que vous faites. Elle est en train de se gaver. Elle en a plein le bras. Allez, on en est. Oui. Vous allez nous prendre une fortune, car Monique en est déjà à 51 barbe à papa, 10 200 francs. Bravo, Monique. Allez, le jeu de Bill avec Nadine. Bonsoir, Vincent. Ça va bien? Oui. Bill, Nadine, Nadine, Bill. Bonsoir, Bill. Bonsoir Nadine, la patate Nadine. Bill, qu'est-ce qu'on découvre? Un objet, un organe? Eh bien, si on suit le fil conducteur des choses, on pourrait dire un organe, mais on va dire un objet aujourd'hui. On cherche un objet. Oui. Et premier indice. Premier indice. Je porte le nom de l'abbé qui a fondé la première école pour sourds et muets en France. Allez donc, t'en dis des trucs, toi. Oui, on va voir. Oh, arrête, c'est pas vrai, je les ai lavés il y a 2 semaines. On ne sait pas. Ah, ce n'est pas la réponse que j'attendais. La réponse que j'attendais était, je vous le dirai tout à l'heure. Mais, t'en vas pas, t'es toc-toc, tu crois que je vais le dire? Coucou. Fire in department. Je suis aussi une discipline olympique. Oh, c'est vrai que tu es olympique, tu es belle. Merci, Bill. Je t'en prie. Alors? Je n'ai aucune idée. C'est pas ça non plus? Si.
Eh bien, on aurait pu y penser car il y a de l'idée, hein. Non, je n'ai aucune idée. Un objet, discipline olympique et... Le nom de la baie. Alors, troisième indice. Dans l'eau, je suis un coup inutile. Oui, excellent. Et ça, ça devrait vous aider. Excellent. Nadine. Dans l'eau. L'épée ? Un coup d'épée dans l'eau, l'épée. Eh ben voilà ! Il fallait le dire. Troisième coup, c'est bien. Enlevez votre casque et on remporte 8000 francs. Un coup d'épée dans l'eau. 8000 francs, le rideau, l'écran, l'écran. 8000 francs, 8000 francs, le rideau, l'écran, les rideaux, l'écran. 8000 francs, le rideau, allez, l'écran. Allez, le rideau. 8000 francs, le rideau, l'écran, l'écran, le rideau. 8000 francs, le rideau. Le rideau, le rideau, l'écran, l'écran, le rideau. Le rideau, l'écran, l'écran, le rideau. Le rideau, 8000 francs. Rideau. Le rideau, le rideau, l'écran, l'écran, le rideau. Le rideau, l'écran, 8000 francs, le rideau, l'écran, le rideau, 8000 francs, l'écran, 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 le rideau, le rideau, le rideau, le rideau, le rideau. Ouais. Le rideau. Alléluia. Oui, oui, 8000 francs qui deviennent 62 750 ouais, francs. C'est la voiture. Elle est contente et elle y va. Ouais. Bravo. Bravo. Merci. Écoute, ça vous fait plaisir, je suppose. Super. Ben, oh, il a, merci, il merci a piqué son chewing-gum, dis donc. Oh. Bon, il y a la place pour mettre trois schtroumpfs derrière. Ouais, vous avez bien une voiture. Non, on n'a pas de voiture et puis on se marie moins deux, donc c'est très bien. Soyez heureux et bonne année. Merci. Salut. À vous aussi, au revoir. Alléluia. Ouais, ouais. Allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? À Denis. Ça va, Denis? Ouais. Vous avez une bonne voix, Denis, hein? Ah ouais, je suis de la Corrèze, hein. Ah, ben de la Corrèze. Un Corrézien, vous êtes où en Corrèze? Eh, à côté de Brive. Ah, d'accord. Faites quoi, un bon 1m80, 90 kilos? 1m78, 92 kilos. Eh! 8 cm, 2 kilos, ouais, je me suis planté, je dis respect. Savez-vous que collectionne un sidérophile? Un sidérophile? Un sidérophile. Ça s'écrit comment? Sidérophile. S-I... Dérophile. Sidérophile. S-I-D-E, accent aigu, ouais. R-O, O, P-H, P-H, I, I, L, E, E-N-T, s'ils sont plusieurs. Ouais, un sidérophile. Un sidérophile, point d'interrogation. D'accord. Si vous avez la réponse après la pub, vous connaissez le principe? Oui. Je dis pub! TF1 avec Mediatis Crédit en direct vous offre 50 minutes de Big Deal. Denis, notre Corrézien est toujours au téléphone. Nous sommes de retour sur le plateau du Big Deal. Encore un deal et on ira se mettre au chaud. Denis, que collectionne un sidérophile? C'est une personne qui aime les astres. Les astres. Oh non. Non. Oh non, j'ai Denis. Qui collectionne le fer. Ouais, mais quoi? Les métaux. Oui, mais quoi exactement? Les météorites. Non, il collectionne les fers à repasser. Les fers à repasser. Eh ouais. Eh merde. Eh ouais, voilà. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Eh, c'était ça? Eh ouais, des fers à repasser. Oh ben merde. Eh voilà, deux fois je vous le dis. Denis, c'est couillon, hein. Ah, c'est couillon, ça, hein. Ah ouais, parce qu'en plus, regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Eh oui, vous auriez rejeté 5000 francs perdus contre le rideau. C'était la voiture. Eh oui, la voiture pour un fer à repasser de 63000 francs. Ça met les boules. Denis, oui. Vous habitez un immeuble? Oui. Vous avez un haut-parleur sur le téléphone? Oui. Mettez le haut-parleur. Oui, il y est. Voilà, posez le téléphone. Oui, et que je sorte par la fenêtre. Voilà, ouvrez la fenêtre et sautez par la fenêtre. Je vais prendre un whisky, là. Bonne année, bonne soirée quand même, Denis. Salut, au revoir. Au revoir. Ça va être chelou. Dernier deal, une chance sur deux. Et pour ce, je vous demande d'accueillir la belle Annick. Ouais. Moi, je propose qu'on fasse le jeu tout de suite, puis on rentre. Je vous compterai Fleurette plus tard. On se fait ça? Avec plaisir. Allez, une chance sur deux. Pourquoi? Parce que vous pouvez gagner... c'est quoi? Qu'est-ce que représente le téléphérique, Bill?
Eh bien, un séjour d'une semaine à Val Thorens, Vincent, d'une valeur de 15 820 francs. Vous pouvez gagner également représenté par la télé. Une télé 55 cm d'une valeur de 3 488 francs. La chaîne stéréo représentée par une chaîne stéréo. Eh bien, c'est une mini-chaîne portable d'une valeur de 1 540 francs. Et le mixeur? Eh bien, c'est une cafetière en fait, et ça représente, et ça c'est extraordinaire, une cafetière d'une valeur de 995 francs. Soit un total de... Eh bien, 21 845 francs. Une chance sur deux parce que les objets sont retenus par des élastiques. Les élastiques se déclenchent avec ces deux ficelles. L'une déclenche un élastique de la bonne longueur et l'objet ne s'écrase pas par terre. L'autre déclenche un élastique trop long, l'objet s'écrase par terre et vous perdez le cadeau. D'accord. Ok ? Une chance sur deux. Vous commencez par celui que vous voulez. Eh ben, on va commencer par la cabine. Bah tiens, on va se gêner. Vous êtes skieuse ? Je suis là. Ah oui, je l'ai perdu. Vous êtes skieuse ? Légèrement. D'accord. Allez, le bleu ou le rouge ? Allez, le bleu. Non, mais juste là où tirer. Ah, je tire. Tirez. Ah, ah ! Eh bien, c'est perdu le séjour à Val Thorens, c'est dommage. Allez, on joue pour la télé, la chaîne. La télé. Allez, le vert, le bleu. Le bleu. Le bleu. Je suis très bleue. Hein. Allez-y, tirez. On y va. Ouais. Aïe, aïe, aïe ! Gagné, la télé, gagné, 55 cm, 3 490 francs. Bon, il en reste deux, soit vous êtes intéressé par tous ces cadeaux, soit vous arrêtez maintenant, vous prenez le rideau, soit vous vous dites non, c'est pas ce rideau, c'est le deuxième que je veux, vous continuez le jeu et à la fin de ce jeu, vous reprenez le rideau. Alors on va continuer. On continue, on écoute ce qu'il y avait derrière ce rideau. Bill, on écoute bien Vincent et on prend les boules, amis. Car vous avez perdu la voiture. Une voiture de 67 000 francs. Elle est belle, elle est grise métallisée. Laissez-moi vous la décrire. Elle a un volant avec 4 sièges confortables. C'est énervant. Et puis en plus, je pense qu'il y a le chauffage dedans. Avec peut-être même un poste autoradio pour rouler confortablement le long de la route bétonnée. Ça met les boules, là. Non, mais je l'aime quand même. Bon, d'accord. Allez. On joue pour la chaîne stéréo, le vert ou le bordeaux, ou le cassis. Ah, le cassis, de toute façon. Allez, cassis. On y va. Allez, oui. Il y a toute la grue qui va venir. Aïe, aïe, aïe. C'est gagné. Elle n'est même pas tombée, moi je dis c'est gagné, c'est tant pis pour les Merci. Autres. Eh ben c'est gagné, tu as raison Vincent. Le dernier, allez. On joue pour le mixeur cuisine. Le vert. Le vert foncé. Il va être gagné aussi celui-là. Ouais, ben il est gagné aussi celui-là. Eh bien, tu as raison, Vincent, ça n'a qu'à marcher après tout. On va tirer sur l'autre, on va savoir, mais de toute façon, c'est gagné. C'était gagné. Voilà, impressionnant. Tomber, hein. Impressionnant. Tiens, on va voir si l'autre faisait tomber la chaîne. De toute façon, c'était gagné. Super, merci. Voilà. Et là, ça a pas explosé. Hein. Et donc, Annick se retrouve à la tête d'un capital de 6025 francs quand même. Hein. Tu fais une petite annonce, je m'occupe personnellement du choix de Nathalie. Annick, pardonnez-moi. Ensuite, on fait le rôle et puis on fait le big deal. Mais c'est une excellente idée. Allez, en piste. Allez, venez vite vous réchauffer, mes amis. Et pendant ce temps, chers amis téléspectateurs, il faut le dire que les candidats, comme Annick par exemple, n'ont pas tout perdu puisqu'ils ont en plus un abonnement de 1 an à lui. Télé loisirs, ça va toi? T'as la patate? Alors, dis-moi, en ce moment, tu as des rendez-vous? Tu sors un petit peu le soir? Remarque, on n'a pas besoin de sortir hein, puisque tu nous dis tout. Alors, merci, au revoir. Et toujours grâce au magazine Télé loisirs, cette fois, c'est vous, oui, vous. Vous pouvez gagner 30 000 francs. Regardez, regardez. Je ne mens pas, ils sont là et ils sont beaux. Voici mon indice. Grâce à nous, vous dégustez la galette. Bah, vous avez trouvé de qui on parle quand même. Si vous avez trouvé pour participer au tirage au sort, envoyez très vite votre... Bonjour, oui, moi je vais très bien. Votre bulletin télé-loisirs ou papier libre à l'adresse qui est indiquée juste devant moi. Et peut-être que vous gagnerez les 30 000 francs. J'ai bien dit peut-être. Et en attendant, ça c'est pas peut-être, c'est sûr. Il arrive, il vient avec Annick et il s'agit ni plus ni moins de Vincent Lagaffe. Bonsoir public. Bon, on a gagné une télé, une chaîne, un robot de cuisine. 6025 francs. 6025 francs, moi je propose de les rejouer. Bon, de toute façon, je suis venue de Nice pour vous voir, pour voir Bill, pour déjà, jouer. Déjà, ça c'est bien. J'ai perdu une voiture, j'ai un petit peu les boules, je perdrai deux voitures, et ben j'aurai carrément les boules, et puis j'aurai le plaisir d'avoir été avec vous. On va faire on fait ça. Comme ça. Allez, on fait comme ça. Allez, rideau. On prend le rideau. Eh bien, vous partez en week-end faire un week-end extrême. Vous allez sauter à l'élastique, vous allez faire du VTT, mais malheureusement, vous avez perdu de l'argent puisque c'est 2200 francs. Ça, c'est moi là qui saute.
Il y en a pour 2200 francs. À oui. mon avis, c'est retour. Je vous propose de passer par l'escalier, de nous attendre quelques instants, le temps d'arrêter le fil rouge. On se retrouve pour le Big Deal. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Annick. Merci. À tout à l'heure, Bill. Merci. À tout à l'heure. Ouvre la porte du coffre. Monique, toujours le sourire, comme quoi vendre des bonbons, ça rend aimable. Et je dis stop, on arrête. Waouh. Eh, bravo. Hein. Merci beaucoup. Barba Papa, c'est le plus gros fil rouge, 18 600 francs. Oh, 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 elle m'a ruiné. 18 600 francs ou le rideau? Je le garde. Vous les gardez? Une jolie somme, hein. Vous l'avez bien mérité, ouais, ça ouais. va. Je n'insiste pas. Non. Rideau. Et bien derrière le rideau, il y avait un magnifique ensemble de home cinéma. Le cinéma à la maison. Avec le magnétoscope, la télé, plein de cassettes extraordinaires. Il y en avait pour 25 254 francs. Voici le Big Deal. En première position, c'est donc Monique avec 18 600 francs. Deuxième, Jean-Louis, Pierre et Daniel qui sont inséparables avec 9 000 francs. Troisième, Jean-Marie, qui part à Malte grâce au top 3 avec 7 113 francs. Annick est dernière avec 2 200 francs. Quant à Nadine, Nadine, elle ne joue pas car elle a gagné la voiture. Rappelez-vous, c'était il y a 5 minutes. Nadine gagnait cette voiture. Et non seulement elle est heureuse au jeu, mais elle est tranquille au volant. Regardez, elle est heureuse. Elle gagne une année d'assurance auto avec la société Suisse Assurance, qui lui offre donc un an d'assurance. C'est formidable. 18 600 francs. Et un bon souvenir. Et un bon souvenir. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais les garder. Ouais, vous le voyez comme ça. Merci, Vincent. Salut, Monique. À bientôt. Les enfants. Oui, papa. Les enfants. 9 000 francs. 9 000 francs. On est venu pour jouer? Ouais. 9 000 francs. Alors. 9 000 francs. J'ai dit qu'il faut les garder. Non. Oh, on a gardé. Là, le fiston, il dit, alors là, maintenant... Allez, on joue. On joue les 9 000 francs. Attention à la passe du gain, je dis attention. Jean-Marie, merci. Merci d'avoir été avec nous. Ouais. On n'est pas froid. Merci. Annick, merci. Vous allez sauter en élastique. Merci. Et si mon emploi du temps le permet, ça sera avec plaisir qu'on fera un doublé. Bon. On est venu pour jouer. Allez. OK. Puis ce qu'il y a de bien à 3, c'est que pour faire un choix unique, ça ne va pas être facile. La sœur au cadeau, le frère à la canne, au sucre d'orge, et la mère à l'étoile. Qui prendrait la sœur? Le frère? La mère? Monique? Je prendrais maman. La mère? Le frère. Annick, le frère? Le frère. Le frère. Bon. Vous, vous êtes attiré par quoi, Daniel? Moi, j'avais dit la sœur. La sœur. Et vous, par contre? Le frère. Oui. Et vous, la mère? Non, le frère. Ah bon? On est à deux contre un. Cela dit, l'intuition féminine... Ah. Ah ben, du coup, le fiston, il se... Il se réveille. Le frère. Et le fils, il dit le frère. Le frère. Alfred. Est-ce qu'on suit avec bonne étoile, on prend est-ce la mère? Est-ce qu'on prend la mère? Est-ce qu'on suit avec bonne étoile, on prend la mère? Allez, on élimine la sœur. On élimine la sœur ou on prend la mère? On élimine la sœur, alors. Oui. Alors, on élimine la mère ou on prend la sœur? Qui sont fous? On élimine la sœur. On élimine la sœur? Oui, on élimine la sœur. Ah, oui. On élimine la sœur. Oh là là, je pense qu'ils vont se fâcher car ils viennent de perdre le bijou. Un bijou magnifique d'une valeur de 9 800 francs. C'est le cadeau intermédiaire. C'est le cadeau intermédiaire. Ah, c'est tout ou rien? Là, c'est tout ou rien? Oh, la cata. Allez, prends la décision. Oui, oui, comme ça, on l'a. Alors, ça n'arrangerait pas. Si vous vous plantez, c'est toute l'année 2000. Hein. Non. Fils, il dit le frère. Ouais, reste couché. Allez, moi, je dirais la mère. Ah ben, allez, c'est toi qui décide. La mère. Vous êtes bien des lâches, hein, vous deux. Non, allez, la mère.
Non, non, faut plus changer. Il faut plus changer, on va perdre. Allez. Qu'il nous fasse. La mère. Qu'il nous fasse. La mère. Pourquoi pas. Bill, c'est le frère, face, c'est la mère. La mère. Face, c'est la mère, hein. Il dit la mère aussi. Hein. Il dit la mère. Hop, il dit la mère. C'est la mère. Maintenant, on peut tous se planter. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? La mère. La mère. Eh bien, Daniel, je pense que tout le pays entendra parler de vous dans les 15 premières années à venir, car vous avez perdu la voiture. Ce sont des petits chapeaux de Bill. C'était derrière la frère, le frère qu'il y avait la voiture. À 508 990 francs. C'était le frère. Votre mari avait raison. Il l'a dit. Il l'a oui. dit, c'est le frère. Bonsoir à tous, bonne soirée, bon retour, bon appétit. Que puis-je dire encore? Salut Bill, salut Monique, bon salut tout le monde. Vous avez le droit de vous jeter sur les gaffettes pour bouffer les barbes à papa. Bon appétit, à demain, ciao, bye bye. Au revoir les petits terriens.